toujours, au cœur de ces fils tous noirs, des histoires, des situations, des états d'âme. Maryvonne Gallard, plasticienne textile, expose actuellement ses œuvres, tissage et sculpture à l'atelier Legault à Pouhancé. L'expo s'intitule « Complexité d'être ». Je me sers du noir parce que pour moi c'est déjà la non-couleur. Je fais abstraction de la couleur par le noir et par rapport à ce que j'ai à dire, je ne vois pas pourquoi je ferais intervenir une autre couleur. Pour moi, le noir, c'est une couleur très forte. Donc, je n'aurais pas à mettre d'autres couleurs. Ce serait une interférence. Je pars toujours sur un métier à tisser, de haute lisse. Donc, je tends mes fils. Et après, je tisse dedans. Et alors là, je peux tisser très serré. Et là, ce que je tisse, là, c'est du feutre bitumé, c'est-à-dire qu'on sert pour les soubassements de maison. Et pour arriver à le travailler, donc je le coupe en lamelles, je le mets à chauffer pour qu'il se ramollisse, puisque c'est du goudron dedans. Et une fois ramolli, je le tisse. C'est une histoire. C'est une histoire, c'est des parcours de vie avec des accidents de la vie. Donc quand je fais une tapisserie, je sais quelle histoire j'y intègre, en fait. C'est toujours enfin, c'est dedans. C'est dit, mais c'est dedans. Et dans cette poche-là, qui est en feutre bitumé aussi, j'ai plein de petits paquets dedans, qui sont enfermés. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus facile que d'écrire un livre, parce que c'est, à la limite, on le dit sans le... Je le sais, je le dis, mais on c'est pas obligé que la personne qui regarde le sache, quoi. Et en fait, c'est fait pour ça. C'est le dire, tout en me cachant un peu quand même derrière. Donc je préfère le faire parce que je m'exprime, même si je ne vends pas. Mais au moins je dis, voilà. D'accord. En fait, ce sont des soupapes. Deux autres artistes vont prendre le relais de Maryvonne Gallard à l'atelier Legault. Martha Métayer et Dominique Guédon exposent leurs peintures et sculptures jusqu'au 14 mars.